Bon, Diane, il est venu, il a vu, il a vaincu, super week-end. Ouais, après c'est j'ai pas tout gagné non plus, c'était ça roulait bien franchement, s'il y avait un bon niveau, enfin en tout cas Soub et Greg vraiment ils ont mis du gaz, le François aussi qui gagne la première finale le deuxième soir. C'était cool, c'était vraiment sympa. Moi j'étais vraiment venu ici pour faire plaisir à ma famille, mes amis, aux fans français qui n'ont pas l'occasion de me voir rouler aux États-Unis. Donc c'était vraiment le but premier de ce week-end. Et voilà, ça va faire plaisir et être à la côté de la maison, quoi. Rouler à domicile. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai un peu galéré, on va dire, le premier jour à mettre au point la moto parce que voilà, j'avais réglé la moto aux États-Unis, suspension très très dure pour des gros terrains. Et le terrain était très très serré, des virages très serrés. Donc dans les virages, c'est vrai que je galérais un petit peu. Dès que ça devenait un peu défoncé, glissant, la moto était assez dure en suspension. Donc c'était pas facile. Donc ouais, souvent en plus après des super départs le premier jour. Donc il me prend les deux premières manches. Il fait 1-1, moi je fais 2-2. Et la dernière, on se bagarre bien et je gagne. Donc c'était cool. Et puis aujourd'hui, samedi, ben, première manche, grosse grosse bagarre. Vraiment, c'était ouf entre Greg, moi et Soub. Et vraiment super. Même nous, en tant que pilote, on s'est régalé tellement c'était bon de se bagarrer comme ça. Qu'il n'y ait aucune méchanceté, que du recoupage, de la propreté entre nous. Et voilà, c'était cool de pouvoir faire ça. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent pour moi. Aux US, c'est toujours un peu tendu avec les autres. Donc ouais, ça m'a fait plaisir. On a vraiment pris du plaisir à rouler. On a fait un beau spectacle. Et du coup, le François a fait un super départ. Donc il était parti, donc il gagne la manche. Voilà, moi je fais deux. Et les deux autres finales, bah, ça s'est bien passé. Des départs moyens, mais des grosses bagarres avec toute l'équipe. Hein, François, Greg, Cédric, Izoard aussi qui était là en deuxième. Et donc ouais, c'était cool. On a fait, je pense, un super show et c'était plus important, hein, montrer aux fans français en France qu'on est capable de faire des belles courses et avoir du beau spectacle. Alors, prochain rendez-vous en France, c'est Paris. Tu vas bosser, là. T'as testé la 4,5, t'as roulé. Il y a du boulot encore avant d'arriver à Paris? Voilà, 4,5, elle va très bien. Moteur stock, mes suspensions US, ça allait très bien aujourd'hui, on l'a vu. Non, pour Paris, avant ça, on va surtout rentrer, rattaquer le boulot physique et mettre au point la 2,5 2019 avec laquelle j'ai pas encore roulé. Donc on a pas mal de tests de prévus en arrivant et aux US, en rentrant aux US. Et voilà, ouais, Paris, prochaine course, dans un mois, je crois. Et on ne sait pas encore, je devrais la faire en 4,5. Avec ma 4,5 là, avec laquelle j'ai roulé à Marseille. Maintenant, si le team me dit on t'envoie la 2,5 Factory en caisse, je vais pas cracher dessus. Je pense que ma moto, ma 2,5, elle marche très très fort et il y a moyen de se battre avec les 4,5. On verra d'ici là, mais ouais, prochain gros rendez-vous Paris. Et là, ce sera pas pareil là. Je pense qu'on jouera un peu moins, ce sera un peu moins plaisir. Là, ce sera plus la compète. Surtout, voilà, il y aura mon teammate Marvin et les bons Ricains. Donc ouais, ça promet et je serai présent et je serai chaud pour cette course.